Bref. Je pensais qu'il était nécessaire d'approfondir mon espagnol. Camille, ¿qué edad tienes? Me gusta mucho la fiesta. ¿Y has visitado alguna vez España? Tengo 24 años. ¿Cuántos hermanos tienes? Y la sangría también me gustó mucho, mucho. Et surtout, surtout, partir du pays du fromage, de la baguette, de la raisin, de la grisaille... Allez vous faire foutre! Bref, je voulais trouver le contraire. Donc, j'ai choisi l'Espagne. Là-bas, c'est sûr, il fait beau, les gens font la fête, ils sont de bonne humeur, ils dansent le flamenco et jouent de la guitare. Bref, j'ai rempli le dossier. J'ai renvoyé le dossier. Et j'ai été acceptée. Pour le sud du sud du sud de l'Espagne, El Puerto. Olé! Bon ben, je suis arrivée, mais il commence à pleuvoir. Bref, je rencontre le principal. Bonjour, ça va? Parfait. Il parlait comme mon oncle qui habite à Marseille. Mais Jésus, tu vas bien? Très bien, c'est génial, la famille. Parfait, le boulot. Le boulot, t'es arrivé. C'est génial. T'es arrivé, Camille? Tu veux une baguette? Ah non, je vais rencontrer. Ah ben, on t'accompagne. Allez, on y va. Bref, pour le moment, c'est pas trop exotique. On va aller à la salle de littérature, on va peut-être trouver Cervantes ou García Lorca. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Nous sommes les gens de demain. Bon, la deuxième, c'est la salle de musique. C'est le tour de l'histoire géo. Maintenant, nous allons étudier l'Empire napoléonien. Ah, enfin une matière qu'on n'a pas en France. Changement social. Intéressant. Simone de Beauvoir, c'est des femmes qui se sont battues. Je vais aller me boire un café ou un whisky. Je sais pas. Et ce soir, on va faire la fiesta. Je connais. J'ai piscine. On y va ensemble. Mercredi, c'est pas possible. Bref, je bosse dans un lycée bilingue.